J'ai été le premier scribe vraiment ici, et je suis le premier locataire. Le 26 juin à Alès, le public a découvert les 10 premiers domiciles regroupés en cœur de ville, spécialement adaptés au vieillissement des seniors. Les Santolines sont une réalisation novatrice en France. La solution qu'on a trouvée, c'est de dire pourquoi pas aménager dans le cœur de ville, par bâtiment, des appartements isolés et adaptés. Le premier étage d'un immeuble de la Grand Rue Jean Moulin a été entièrement résidentialisé. Il est accessible via un ascenseur privatisé, de plein pied avec les parties communes. Ces logements de 36 à 60 mètres carrés ont la particularité d'être adaptés à la perte progressive d'autonomie. Aujourd'hui, on connaît le domicile, on connaît le foyer logement quand on a un début de perte d'autonomie. Quand on a un peu plus de perte d'autonomie, on va vers un EHPAD, une ancienne maison de retraite. Les gens qui viennent ici sont valides et nous les accompagnons pour qu'ils vieillissent en bonne santé. Une salle de convivialité a été créée autour du patio. Elle est animée en permanence par des agents du CCAS pour permettre de tisser du lien social et pour gérer les maux quotidiens. Ce projet nous comble de bonheur aujourd'hui parce qu'il a été long à calculer, à réaliser. C'était un engagement du tout début des mandats de Monsieur Roustan. Il nous en avait fait partager le rêve. Et aujourd'hui, c'est réalisé. La municipalité alésienne, le CCAS et l'OJC Venol réfléchissent déjà à d'autres opportunités pour reproduire cette initiative dans d'autres immeubles de la ville.